Merci de m'avoir regardé. Alors, etc. Vous connaissez la chanson. Je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés les réalisateurs, scénaristes, producteurs, comédiens du film The Climb, Michael Angelo Covino et Kyle Marvin. Merci. Voilà. Y a-t-il une première question dans la salle, monsieur? Bonjour, félicitations pour le film. J'aimerais savoir depuis combien de temps dure votre complicité, parce qu'elle se voit devant et derrière la caméra. Et je remarque qu'en fait, vos noms sont les noms de vos personnages. Et j'aimerais savoir à quel point vous vous êtes inspiré de votre propre expérience et de votre propre complicité pour accomplir ce film. This gentleman wishes to know. I mean, if you want, I can just let you roll on. But He said, "Okay." I understood him. I'm feeling really good about this. Okay. Go on. Then. No, you asked about what it was like to be in front of him, behind the camera. And right? Since how long you are such good friends, and you know. He didn't ask about being in front of him, behind the camera. Okay. He did actually. He did. Yeah, he did. Don't worry. We're no longer friends. C'est fini. We've been friends for almost 10 years, and we've worked together the whole time, basically. We met on an advert, advertisement, comment tu dis? A commercial. Commercial? A pub. Publicité. Publicité. Yeah. 10 ans ago, and we've been friends ever since, and working together ever since. On s'est rencontrés sur une pub il y a une dizaine d'années, on a été amis depuis. Laure, et voilà. And how was it, the relationship between you guys in front of the camera and behind the camera? That's where he said, you know, in front. I understand. Yeah, no, sorry. That's where it goes. Wasting time for everyone. Désolé. Our relationship behind the camera was very, we've produced a number of movies together, so we felt very comfortable making this film together, and we have a shorthand working together. In front of the camera, we haven't done as much together, but we felt very comfortable that we would be able to capture the friendship that needed to work for the film in order for anyone to care about the story. Oui, en fait, Michael nous dit qu'ils sont amis donc depuis une dizaine d'années et qu'ils ont déjà produit des films ensemble. Donc ils se connaissent déjà bien, ils savent à quel point il n'y a pas de problème pour travailler ensemble. Et en ce qui concerne donc le fait d'être devant la caméra, le fait qu'ils se connaissent encore une fois depuis si longtemps fait qu'ils sont bien sûr complices et que donc ils n'ont pas eu de problème à travailler ensemble. Et au contraire, ils ont voulu essayer au maximum de capturer au travers de l'objectif de la caméra l'amitié et la complicité qui est la leur. Donc, encore une fois, ça a rendu les choses plus faciles. I feel like you're making it sound much more eloquent. I just make it sound more French. Ah, non. But thank you. Y a-t-il une autre question dans la salle? Cette conférence de presse va être intéressante. Oui, monsieur, madame, pardon. Bonjour et bravo pour votre film. Moi, je voulais saluer la réalisation que je trouve exceptionnelle, notamment au niveau des plans séquences. Je voulais savoir comment ça s'était passé sur le tournage et combien de temps ça avait duré. Combien de temps a duré quoi? Pardon. Le tournage. Ah, le tournage. First of all, congratulations and thank you for the movie. This lady says she thought it was brilliantly crafted. And actually, while we talk about the craft, how did you direct such a movie? Especially, there is a lot of long shots, really long. And how did you do that? How did you manage to shoot such scenes? Thank you. The approach to this film was a bit different than other films we've made as producteurs. We rehearsed for every scene. We had a full day of rehearsal, and we treated it almost like a play, like theater. Where the camera and the actors would all rehearse together, and we would block and we would dial the pace and the timing in to a point where we felt like the film was edited the way we wanted it to be edited, and the mise-en-scène all worked together in the way that we had in our heads. And then the following day we would perform, and we would give all the performance and try to get the take, because it's a bit different where normally you're
changing the angle and you're setting up for different shots and you're just trying to march through the day. This was really about prepare, and then get one shot. And if you get the one shot, then you know you have it. If you don't, then you just destroyed the film. Yeah, it brought an incredible focus for everyone, the camera team and the actors, because 12 minutes into the scene, an actor has their first line. And so everyone was so focused and intense. I think it helped the process in a way because everyone knew, you know, these scenes had to go as single takes. Le réalisateur nous dit, Michael nous dit que ils ont produit beaucoup de films et cette expérience sur ce film-là était assez différente de l'expérience qu'ils ont eue sur les autres films qu'ils ont produits, puisque donc c'est une de leurs premières réalisations. Et il nous dit en fait que comme effectivement il y avait pas mal de séquences qui étaient donc des plans séquences, donc des séquences assez longues, et bien pour chacune de ces séquences-là, en fait, il y avait une journée entière de répétition. Et lorsqu'on répète une séquence de 10, 20, 30, 40 secondes, une minute, lorsqu'on la répète entièrement pendant une journée entière, à un moment donné, on sait tout, quoi. On sait où est-ce qu'on va poser la caméra, on sait comment ça va se passer. Et finalement, quelque part, finalement, il gagne du temps. Parce qu'il nous dit, sur un tournage plus classique, il faut changer toutes les deux secondes, changer l'emplacement de la caméra, les lumières, etc., etc. Alors que là, finalement, voilà, quand ils arrivaient sur le plateau de tournage le lendemain des répétitions, tout était clair en tête, ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire, où est-ce qu'ils devaient se placer, donc ça a été assez fluide. Et ça a été une expérience finalement plutôt agréable. Et Kyle nous dit que toutes les personnes qui étaient impliquées dans chaque plan séquence, donc évidemment les comédiens, mais tous les techniciens, le caméraman, etc., etc., étaient tellement concentrés, savaient tellement au millimètre près, au poil près, savaient ce qu'ils devaient faire, où est-ce qu'ils devaient se placer, qu'encore une fois, tout a été de manière assez fluide et que ça a été un tournage finalement plutôt facile. Je suis d'accord. Oui, merci. Une autre question, madame ici. Bonjour. D'abord, bravo pour ce beau film. Tout au long du film, il y a plein de références françaises, les personnes françaises au début du film, des chansons françaises, des films français. Vous maîtrisez un peu le français. Du coup, je voulais savoir un peu quel était votre attachement à ce pays. Well, I guess you understand the question, but I will translate it because I'm paid for that. First of all, congratulations on your movie. It's a great movie, a beautiful movie, said this lady. And she saw in the movie a lot of references to French culture. I mean, there are French people in the movie and French songs as well. Also, we talk about French movies. And obviously, you do master quite a bit the French language. So maybe you can talk to us about your relationship to France. We have always loved French cinema, and this film, as we were crafting the story, became more and more of a bit of a love note from two American guys to French cinema. And my relationship to French culture is always evolving. I have French family, and I've dated a French girl, and so I think a lot of times, as Americans, we have this romanticized version of a lot of things, and love being one of them. And I think sometimes that coincides with French culture, and probably in a artificial way or in a way that maybe isn't real. And I think when we were writing and this idea of cycling and love and all these things, and wanting to present it at the beginning of the film as this romanticized idea that are in these two guys' head, and then removing the romanticism of that and having it be maybe not real, it felt right to sort of ground the film in what their perspective of French culture and life and cycling and love were. And I think that was where we came from. Yeah, I think for us, we consumed a lot of French cinema when we were in the writing process and listened to a lot of French music. And really the songs that we chose were the ones we loved that weren't impossible to purchase because you guys have some great famous music that we couldn't take. But I think we consumed a lot of French cinema, and especially, you know, there were Truffaut and some of those. There's this like brutal honesty in the way that they deal with their characters where it's just on the table. It's, you know, a guy shows up at the beginning of the movie and is like, I love her and I'm in love with her. And then you're like, oh, wow,
now we get to have fun. And so I think we wanted to copy that kind of an idea where everyone was just blunt and forward, and it made for a more interesting movie. Le réalisateur nous dit qu'ils ont toujours aimé le cinéma français, ils ont toujours été plongés dans cela. Lorsqu'ils ont décidé de faire ce film, lorsqu'ils ont construit l'histoire petit à petit, ils se sont rendu compte qu'en fait, ce qu'ils étaient en train d'écrire, c'était quelque part un peu comme une lettre d'amour, une déclaration d'amour envers le cinéma français. Il nous dit que lui-même, sa relation à la culture française a évolué au fil du temps. Il a de la famille en France lui-même. Et que c'est vrai que parfois, les Américains ont tendance à presque rendre la France, la culture française, de manière un peu trop romantique, l'idéaliser quelque part. Lorsqu'ils étaient en train d'écrire, ils voulaient écrire sur des thèmes qu'on peut imaginer comme des thèmes français, plus ou moins, le fait de faire du vélo, l'amour, l'amitié, la bromance, comme on appelle cela. C'était des choses qu'ils voulaient traiter, mais en retirant ce côté trop romantique, pour ne pas avoir une approche, entre guillemets, comme l'approche que bien souvent les films américains ont de la culture française. Ils voulaient retirer cela pour que ce soit plus authentique. Et ils ont voulu vraiment avoir les bases de leur film, essayer de faire en sorte qu'elles soient vraiment ancrées dans une manière la plus authentique possible de représenter la culture française comme eux la connaissent vraiment. Et Kyle nous dit par rapport à ça que, encore une fois, lorsqu'ils ont préparé le film, ils ont écouté beaucoup de musique française, ils ont regardé énormément de films français également. Alors la musique française, ils avaient envie de mettre plus encore de musique française que cela dans le film, mais ils se sont rendu compte que bien souvent, les chansons françaises, la musique française, ça coûtait un peu cher d'acheter les droits, donc voilà, ils ont essayé d'acheter d'autres trucs à la place, mais c'était pas toujours possible de mettre exactement les morceaux qu'ils voulaient dans le film, parce que voilà, il y a une limite à cela en termes de finances. Et en ce qui concerne les films, eh bien, la référence dont Kyle nous parle principalement, c'est François Truffaut, les films de François Truffaut, et également l'honnêteté brutale, la brutalité presque de l'expression des sentiments des personnages français dans les films français. Par exemple, au début du film, quand il dit « je l'aime », etc. Enfin, voilà, autant de choses qui font que voilà, c'est la manière dont ils ont abordé leur personnage lors de l'écriture du film, qui ils espèrent, est plus authentique que ce que l'on peut voir dans la majorité des films américains qui se passent en France ou qui évoquent la culture française. Une autre question ? Monsieur. Ah, madame. Ensuite, monsieur. Ah, de pas péter mes micros. Voilà. Oui. Donc, en fait, ils ont produit donc le film. Est-ce que c'est une vraie volonté de produire ou est-ce que finalement c'était compliqué ou voilà, ils n'avaient peut-être pas envie de chercher des producteurs ? Why did you produce the movie yourself? Was it because it was, you know, easier for you to do, or was it because you didn't want to even try to find producers, or can you talk to us about the financing of the film? Go ahead. We produced the film by ourselves because we couldn't find anyone who, not who we could trust, but like producing movies at this level is a very specific thing, and we weren't going to go on this journey of, or I wasn't going to direct a film unless I trusted the process we had set forth and who we were working with. So we brought on another producer who could handle a lot of the things, but we inevitably ended up producing the film and we're always going to produce the film because there was no way to remove ourselves from the process since all the relationships, everything that needed to be done, we had already established and been doing. He's produced 6 feature films and I 5, so we've been doing it so much that for us it just was the easiest way to put the film into someone's hands. Would be our own hands. Michael nous dit que en fait ils n'ont pas réussi à trouver un producteur, une maison de production en qui il avait suffisamment confiance pour pouvoir vraiment se laisser aller et réaliser le film. Il avait besoin d'être vraiment totalement en confiance par rapport à ce projet-là. Et quelque part, comme il n'a pas réussi à trouver le bon producteur, en tout cas quelqu'un qu'il puisse vraiment, en qui il puisse croire à 100%, il a fini par le produire lui-même. Et Kyle, en fait, rebondit là-dessus, il nous dit quasiment la même chose. Lui a produit 6 films, lui 5, donc ils ont
vraiment l'habitude de produire des films, ils savent comment ça se passe. Donc quelque part, c'était assez logique et naturel pour eux, finalement, de le produire eux-mêmes. Comme ça, ils avaient vraiment la main mise sur l'ensemble de la fabrication du film. Et voilà, c'est la manière la plus naturelle dont ils ont travaillé ensemble pour produire le film. Also, Mike likes controlling everything. Et en plus, Michael aime bien tout contrôler. Donc, un control freak. That translates in French, control freak. Yeah, that's how we say it in French. Monsieur. J'aimerais revenir un peu sur les plans séquences. J'aimerais savoir comment est-ce qu'ils ont été amenés, parce qu'ils sont aussi scénaristes du film. J'aimerais savoir si c'est une idée qu'ils avaient depuis le début. Est-ce que c'est arrivé au cours de l'écriture parce qu'ils ont vu qu'avec les dialogues, ça serait la meilleure solution? Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que c'était arrivé là. Et juste une toute petite question en plus, c'est Kyle a évoqué François Truffaut. J'aimerais savoir à quel point les 400 coups et en particulier la fin les a influencés pour son mythique plan séquence. All right, two questions. First one is actually this gentleman wishes really to know because he didn't really answer the question the first time. So it's about these long shots in the movie. Was it actually something that you had in mind from the very beginning of the process of making the movie? You knew that you would put these long shots like this without cutting. And so maybe you can talk to us a little bit more about that. Where does it come from? Etc. Second question will be about Truffaut, because you talked about François Truffaut. You talked about him, and would you say that, because this gentleman thinks that actually his second film, Les 400 coups, the 400 blows, was a major influence, probably, and maybe, I mean, actually the ending of the 400 blows with this long shot, actually. So maybe also you can talk about this. You want to take the first one? Yeah. So... We always, from the very beginning, imagined it with single takes. We were establishing an aesthetic, and it was the idea was quite simple in our heads, which was we wanted to live with these characters in real time, because there's an immediacy to that the second you cut, you're sort of altering what happened. And so we wanted to experience maybe 7 minutes straight with these characters and then jump forward a year and then experience another 7 minutes and tell a story without filling in what happened in between. But we didn't want it to have the aesthetic of a lot of film, cinema verite films that are very sort of like slice of life and documentary style. So the goal really was to find camera motivation and motivation for all the characters to sort of dance in front of the frame so that the cinematic techniques we used felt deliberate and intentional, but we didn't cut. And we always knew that we had the option to cut, but what we found by putting those constraints there is that we found creativity within that, and we found a lot of just things that we wouldn't have found otherwise if we had all the tools of cinema. There. You and me. And then... Let him say the thing, otherwise he's gonna... I like challenging his it's French right, skills. It's okay, it's all right, okay. No problem. En fait, oui, l'idée des plans séquences était une idée, effectivement, qu'ils avaient dès le départ de la conception du film. Parce qu'ils voulaient que le spectateur vraiment ait l'impression de vivre avec les personnages pendant des laps de temps assez longs. Vraiment l'impression. Ils voulaient qu'il y ait un sentiment d'immédiateté, que tout soit presque en temps réel, vous voyez, un peu comme 24 heures chrono. Donc ils voulaient vraiment qu'on ait ce sentiment. Et donc parfois, ils voulaient même faire un plan séquence de 6-7 minutes. Et puis tout à coup, on coupe et on passe à une séquence qui se passe un an plus tard, sans forcément vouloir remplir le trou d'un an qui se passe entre les deux séquences en question, faire en sorte que le spectateur l'imagine de lui-même. Donc c'était vraiment quelque chose qu'ils voulaient faire. Mais en même temps, il ne voulait pas avoir l'esthétisme de ce qu'on appellerait le cinéma vérité, c'est-à-dire pas une esthétique de documentaire, caméra à l'épaule, etc. Non. Mais les plans séquences, vraiment construire un plan et puis laisser les personnages, entre guillemets, faire leur propre chorégraphie à l'intérieur de ce plan séquence-là, ça, c'était quelque chose qu'il voulait faire, c'était l'esthétique qu'il voulait pour le film, en fait, depuis le départ, pour trouver, finalement, se poser ce genre de contraintes, un peu comme de Loubapo, c'est-à-dire se poser ce genre de contraintes et arriver à trouver des systèmes créatifs, une créativité qui naîtrait de cette contrainte-là.
And you want to add something? I was going to say, in regards to the 400 blows, for sure that played a part in our subconscious. I don't think we necessarily took anything shot for shot except what we took in the PR Talks film, which is in our movie, which we got the rights to, which is on the film, which we did that same shot in the wedding because we loved that shot so much. But I think we were consuming so much in such a wide variety, you know, Agnès Varda. We were doing everything we could in the whole spectrum of French cinema. And it, I think, more subconsciously influenced us through the writing process and into the filming than it did us saying we're going to take this one shot and try and replicate it. Yeah, I think from a tone standpoint, Pierre Etex, the way he would use moments would be dramatic with characters, and then he would bring comedy into it very quickly, was very was influential to us in terms of the feel of the film. But the aesthetic itself, we didn't directly draw. Yeah. Oui, Kyle nous dit effectivement que, puisque vous parlez des 400 coups de Truffaut, enfin, puisqu'on en parlait, puisque vous posez une question sur les 400 coups, ça nous a influencé, nous dit-il, mais c'est plutôt une influence inconsciente, quelque part. Parce que malgré un ou deux plans qui se retrouvent dans le film, parce qu'ils ont réussi à avoir le droit de mettre des plans, mariage notamment, en dehors de ce genre de choses très précises, l'idée, l'esthétique des 400 coups les a influencés, mais encore une fois, ils n'ont pas voulu imiter les plans scène par scène, etc. Ils n'étaient pas dans ce trip-là. Donc quelque part, la manière qu'avait Truffaut de filmer notamment ce film-là les a influencés, mais encore une fois, sans doute de manière inconsciente. Et par rapport à cela, Michael précise également que s'il devait citer une influence peut-être un peu plus concrète, il citerait plutôt le travail d'un réalisateur comme Pierre Etex, et notamment la manière qu'avait Pierre Etex à l'intérieur de séquences dramatiques, de tout à coup, très rapidement, apporter hop, comme ça, un élément comique, un élément drôle pour faire retomber l'attention. Ça, c'est le genre de choses, le genre de ressort dramatique auquel ils ont eu plus facilement recours. Une autre question dans la salle, et ce sera sans doute la dernière, malheureusement. Monsieur, ici. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais savoir, justement, du fait du nombre de plans séquences qu'il y a dans le film, combien il y a de plans au total, si vous avez à peu près une petite idée. Et surtout, si cette méthode de tournage laisse place à l'improvisation dans certaines situations ou dans les dialogues, en fait. Voilà, merci. Well, okay, very technical question, actually. How many shots there is in a movie? 12. No. Well, it's not 12, because, well, there's also these interludes that sort of cut a lot, but in the primary scenes, I think there's 13 or 14 scenes. I always forget to count. Okay. Entre 13 et 14, mais il oublie tout le temps le nombre exact, mais il y a également les petits interludes qui se passent. Mais sinon, les scènes principales entre 13 et 14. And also, was there any room for improvisation, actually? Or was it like very well structured and written? Not necessarily, no, on improvisation, because the improvisation came when we were sort of working it in the workshopping point of it was the only place for any improvisation, because once we started going, everyone was so tied with each other. The first AC, when someone was going to say a line back there, already had to be going, and the cameraman already knew, and the sound and lighting. So it was such a well-orchestrated thing that nobody on the crew could improvise. And if they tried, you'd turn and see a grip holding a bounce board trying to run into the corner. We were able to tweak lines and tweak things during rehearsal, but once we were actually shooting, like the following day, I would be very diligent of like just say the lines, and just like there's no time to mess around right now. En fait, il y a eu de l'improvisation, mais il y a eu de l'improvisation notamment au moment de l'écriture des scènes, ou alors il y a eu de l'improvisation au moment de la répétition, par exemple. Mais à partir du moment où c'était la journée du tournage, là, par contre, il n'y avait plus de place pour l'improvisation, parce que, justement, ils avaient tellement répété tout ça la veille que si jamais quelqu'un avait la mauvaise idée d'improviser quelque chose, il allait se faire massacrer par tout le reste de l'équipe, parce que le caméraman savait exactement où est-ce qu'il fallait qu'il aille, l'éclairagiste pareil. Donc si tout à coup on mettait tout ça par terre, ça se serait pas très très bien passé. Donc encore une fois, non, le tournage en lui-même, pas eu d'improvisation,
mais c'était beaucoup plus libre au moment de l'écriture, donc la veille du tournage de chaque séquence. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is now over. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup.